À tous, une vidéo qui concerne un vieux jeu d'aventure qui s'appelle Joe's Dernier Étalon. Parmi ses particularités, il avait des voix digitalisées et des graphismes assez poussés. Il date de 1988 et était sorti chez MBC. Pour des raisons d'ordre technique, malheureusement, seule la version craquée fonctionne dans l'émulateur. Donc c'était celle que j'utilise. J'aurais préféré ne pas l'utiliser, mais faute de grive, on mange des merles. Donc là, bien sûr, j'ai la solution sous les yeux. Je vais vous présenter le jeu. Le jeu va se lancer en vitesse. Ça fait un petit peu de bruit au début, mais après ça, vous verrez, c'est quand même agréable et pas mal ce qu'ils arrivaient à faire à l'époque. On est parti. Bon, là, on se passerait bien de ça, n'est-ce pas? Quand tes protections étaient trop puissantes, il n'y avait pas autre choix. On est parti, on appuie sur une touche, normalement ça devrait charger l'ensemble. Déjà on voit quand même que l'écran de démarrage était quand même assez poussé. Donc là aussi on pouvait définir. Alors voilà, on pouvait définir des touches pour avoir gagné un peu de temps, mais tout à fait sans plus simple. Voilà. Donc là, il va nous demander d'insérer la deuxième disquette, une fois l'écran de chargement terminé. Voilà, donc on insère la deuxième face. Et on est go. Non, ce sera plus agréable. Voilà. Alors. Et c'est toujours les petites remarques classiques. On peut utiliser les touches fléchées pour aller plus vite pour saisir les directions. Faire. Je me suis gouré, autant pour moi. Donc là, voilà maintenant. Et quand même, les graphismes étaient très fins. Les voix digitalisées étaient pas mal aussi. J'ai fait une faute de frappe. C'est mieux comme ça.
Tiens. J'ai fait une erreur, peut-être. Ah zut, attends pour moi. J'ai. Tu es allé un peu trop vite. Oui, autant pour moi, donc. Voilà. C'est mieux comme ça. Il faut suivre la solution. Sinon. À l'ouest. Il fallait vraiment avoir un plan à l'époque. Les jeux de mots aussi, hein. On va être gentil. Par contre, je ne me rappelle plus comment on faisait pour voir. Mais tant pis, je vais mettre 100. Voilà. Donc, on va prendre là-dedans. Parfois la solution est un peu bizarre, mais... Sud. Est. Sud. Ouest. Sud. Et ouest. Il fallait vraiment avoir un plan. Hein. Notre amie Samantha Fox, si vous ne l'avez pas reconnue. Alors, deux fois à l'est.
tout fort au nord. Ouest. Quand on n'a pas la solution, c'est pas évident. Hein. On va à l'ouest maintenant. Sud-est, ensuite encore à l'est, on va au nord, puis à l'ouest, puis au nord, on va deux fois à l'ouest. Au nord et on lance la boîte. On va au sud, on va au sud. Attacher corde. On descend. Et on soulève la grille. On examine à nouveau le puits. On prend la batterie. On remonte la corde. On va deux fois à l'est, une fois au nord. On pose la batterie. On la branche. À l'éolienne. Ensuite, on la reprend. On va au sud. Est. Je me suis bourré. Il fallait aller à l'ouest, sud. Donc on va à l'ouest deux fois, comme ça, autant pour moi. Sud, est, sud.
reste deux fois. C'est bon, voilà. Je m'étais paumé. Parce que parfois, avec des actions, on peut se tromper. On prend une autre boîte. On descend. Sud. Est. Sud. Est. On examine le coffre. On ouvre le coffre. On pose la batterie. On la branche. On descend. On examine la cheminée. On prend le charbon. Je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Ah d'accord, on est remonté. Autant pour moi. On va à l'ouest. Nord. Est. Nord. Nord, est, est. Sud deux fois. J'ai fait une deux fois. Ah, c'est bon. Si vous l'avez fait deux fois, tant pour moi. Ouvrir boîte, poser dans, on va y poser la dynamite. C'est un tapon, mais ça ira mieux. On y pose la dynamite. On allume la dynamite. Et voilà, donc là on a fini le jeu. Mais voilà, bon, on avait fini le jeu, donc on pouvait se suicider. Voilà. Donc ce qui est dommage, c'est que il n'y ait pas d'indication des directions. Sinon, le jeu était pas mal avec la digitalisation, enfin la numérisation des voix. Donc voilà, c'est un jeu qui était quand même assez complexe, qui avait de très beaux graphismes,
Je ne sais pas pourquoi elle a fait pour se suicider, mais ça, c'est l'option qui est dans le jeu. Enfin, c'est la solution que j'ai trouvée. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à saisir la solution. Je vous dis à la prochaine. Ciao!